本当に光が消えてしまう日まで。停電だ。階段は真っ暗闇。ロマンと私、ある物語のタイトル。暗闇で人影を見つけ、彼だとわかる。すぐそばにいる。彼の手と私の手とが壁の上で重なる。額にある彼の口が鼻に降りてきて唇を捉える。唇はなかなか離してくれない。彼の美味しい唇に触れたら全てが消えてなくなってしまうかも。信じられないくらい彼のキスが好き。暗闇で目を開けたまま彼に口づけをする。流れる涙を感じるはず。私たちの涙。彼の手が私の胸を手なずけている間、私たちの舌はすっかり一つになっている。すぐに愛し合えたかもしれないのに、ここで階段で、その場には二人っきりだった。彼を求める気持ちは全部の階を登って屋上のテラスまで届いていった。彼は私の手を離さなかった。歩みと歩みが絡み合う。夜は甘く、月はまん丸。彼の目を見る。目が私に言いたがっていることは全部真実だと思う。彼は裸で、闇に浸かって、自信に輝いている。彼は私と愛し合う。素晴らしく。夜明けに私たちの体は絶頂の中で絡ませ合い、再び愛し合う。夜明けが近づく。私たちの初めての夜の光の下で全てが明らかになる。その朝、もう一杯のチョコレートを分け合う。泡はもっと濃い。一歩一歩、彼のことを愛しているのが自分で分かる。Au resto, il a commandé une soupe comme un vieux. Et chaque fois qu'il mange une soupe, il ne manque pas de faire du bruit avec sa cuillère en buvant. Il ne manque pas non plus de tacher sa serviette grossièrement nouée autour de son cou. Il veut choquer. Provoquer, ça l'amuse. C'est aussi son moyen d'accentuer mon malaise. Toute entrevue avec lui est une sorte de défi. Ça lui plaît de jouer le vieux sénile un peu répugnant. C'est pour cette raison aussi qu'il porte toujours ses vestes avec des épingles à nourrice à la place des boutons de manchette et une casquette Nike. Il mange sa soupe en face de moi. Calmement. Et je sais qu'il se moque de lui-même comme il se moque de mourir tout à l'heure. Enfin, il se décide à me dire pourquoi cette épreuve de la soupe, pourquoi il tenait à me voir. Je l'écoute, j'ai souvent bu ses paroles. Il sort alors une liasse de lettres de sa poche. Certaines semblent très anciennes. Enfin, il m'annonce qu'il me confie sa correspondance amoureuse et libertine de ces 30 dernières années pour que j'y mette de l'ordre. Sa correspondance à mon âge. Je suis sous le choc. Sonnez. Mes mains n'arrivent pas à saisir ces lettres. Je sens déjà leur pouvoir, leur force, leur intimité violée, objet brûlant de tant de désirs ardents. Je suis gênée, mais honorée. Seulement, je ne comprends pas. Il m'explique qu'il veut que je trouve un ordre à ces lettres dont les dates ont été supprimées. En fait, il faut réécrire l'histoire. Une autre.
Quand j'étais petite, j'adorais jouer au Playmobil. Je construisais des camps sans tirer de plan. Et je redoutais la copine qui me proposerait de jouer à la poupée. Aucune envie de jouer à la maman chez moi. D'ailleurs, l'idée de m'arrêter à mes envies m'est venue bien plus tard. Je devais avoir 15 ans. Mes copines sortaient avec des garçons. Elles racontaient leurs premiers baisers sans table de matière ou avertissement. Je les écoutais, tentais de me mettre à leur place, d'imaginer le garçon dont j'aimerais la bouche au point de vouloir l'embrasser. Je ne voyais que des visages très flous. Aucun des garçons de ma classe ne rentrait dans le cadre. Je ne pensais pas embrasser tout de suite, d'ailleurs. Ça n'était pas dans mes objectifs. L'une... Je préférais la lune. Et mes rêveries timides de début de nuit. Avant les vrais rêves. Je me souvenais rarement de mes rêves au réveil. Juste une fois... Je me souviens que je dormais avec une copine dans son lit une place. J'épousais la forme de son corps endormi pour me plaquer contre elle et ne pas tomber. Bizarrement, je me souviens très bien de la scène. Je peux la voir comme une image fixe, nette. Mais je ne garde rien des sensations. Du ressenti, du sentiment sur l'instant. La copine reste non identifiable aussi. Ce rêve ne pouvait se partager. J'ai cru. Je ne l'ai donc confié à personne. Éprouvant une culpabilité dont je ne pouvais que douter la cause. Mais le rêve n'est pas la réalité, dirait mon père. Alors j'ai tenté le coup, comme dirait l'autre cette fois. J'ai embrassé un garçon dont personne ne voulait. J'ai même recommencé plusieurs fois, pour être sûre, puis... Il a voulu faire l'amour. Moi, je ne savais pas trop, mais j'étais curieuse. Mes copines racontaient tellement de choses différentes qu'il fallait que j'aie mon expérience. Et puis, pour ne pas mentir, j'étais attachée à ce garçon. Même si les raisons n'étaient pas précises, on a fait l'amour. Maladroitement, forcément, mais appliqué autant que nous pouvions, un brin laborieusement. J'ai eu un peu mal la première fois, mais ce n'est pas ce qui allait me marquer à vie. Moins que la première fois où je me suis décidée à jouir, à laisser vivre mon corps indépendamment de toute attente. Je ne sais pas au juste dans quelle mesure mon... partenaire était responsable de cette sensation décuplée. C'était ma décision, mon désir. Il n'était que l'objet de cet assouvissement. Quelque temps après, à l'heure de la rêverie, je me suis souvenue que pour me laisser aller pleinement, il avait fallu que je pense à une fille. Une fille idéale, qui n'existe pas. J'ai eu besoin de quelques jours pour retrouver le sommeil où je dors avec des filles, toutes jolies et frêles, mais juste d'apparence, parce qu'elles ont une force qui n'existe sans doute chez aucun homme. Et je me dis que j'aime ces filles, que je voudrais plus que tout les aimer physiquement et leur donner l'amour dont je suis capable. C'est sans culpabilité que je m'éveille, simplement avec une certitude. Le garçon que j'aimerais le plus est une fille.